Nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles que nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Disons béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire, à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'on compte pour la présence de Dieu à soi? Amen. Et bénissez, et bénissez. Acclamons le roi de gloire. Et bénissez, et bénissez. Et bénissez, et bénissez. Alléluia. À soi, moi, infiniment reconnaissant envers Dieu, parce que je fais ma place à. Moi, je pas sorti dans la famille micro, je ne pas sorti dans la famille Bible, mais bon Dieu, toujours choisi mon niveau pour l'employer dans le travail. Bon Dieu, bénis-nous. Assoyez avant moi de délivrer le grand sermon, je prends plaisir pour me saluer d'une manière spéciale l'ange de l'Église, pasteur Galliot, qui va nous accéder pour nous gravir, cher là, et nous saluer en compagnon de ministère d'une manière spéciale. En frère Farina, nous saluons frère Jameson qui t'a fait nos invitations. Moi salue le département des dames, le département des hommes mariés, le département de la jeunesse, le département des enfants, le département des membres du nettoyage. Je salue l'église entière. Bon Dieu bénis-nous. Sans nous prendre le temps, on nous lit en portion des Saintes Écritures, côté nos jeunes thèmes. N'a prêché par Moïse dans le dernier jour. Je crois que c'est dans Matthieu, chapitre 11, le verset 28. Je lis pour vous. Ça dit, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que bon Dieu, que tout pouvoir, béni pour son écriture, ça, avec le message, ça va délivrer pour. Édification, chaque homme qui l'a. L'Église, bon Dieu, bénis nous. Amen. En remettre à Chaïnoulo by Jésus. Bon Dieu, bénis nous. Amen. Son bel thème n'a prêché par Moïse. En remettre Chaïnoulo by Jésus. En d'un thème, ça a nous tiré un sujet qui dit le repos pour l'âme fatiguée. Et objectif message là, c'est aider les chrétiens à comprendre. Seule la main de Jésus peut nous décharger de manière réelle et totale. Est-ce que vous pouvez en jouer? Amen. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Mes frères et sœurs, l'âme fatiguée, c'est une âme épuisée. L'âme fatiguée, c'est une âme privée de la liberté. C'est une âme lassée, chargée de douleur. Elle a besoin de la liberté. Qui est l'état d'une personne ou d'un peuple qui ne subit pas de crainte, de soumission, de servitude exercée par une autre personne. De manière générale, la liberté est un terme qui désigne la possibilité d'action ou de mouvement. Est-ce que vous attendez? Amen. Parlant de la liberté d'une personne, il faut tenir compte de ces deux ou trois composantes selon que vous optez pour la dichotomie ou la trichotomie. L'on parle de la dichotomie en théologie, c'est-à-dire, eh bien, c'est une partition de tout en deux parties. C'est-à-dire, je mettais accent sur deux parties dans l'homme, l'âme et l'esprit. Cependant, la trichotomie, c'est-à-dire, c'est une partition de tout en trois parties. Là, ça, je mettais accent sur trois parties dans l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est l'Église, entendez-vous. Mes frères et sœurs, la vraie liberté
tient compte de toutes les composantes de l'homme. À ce sujet, l'histoire retenue des noms de certains hommes considérés comme libérateurs. Par exemple, Moïse qui a libéré le peuple hébreu sous la servitude en Égypte. Deuxièmement, nous avons Simon Bolivar qui a libéré le Venezuela, qui a libéré le Venezuela, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur et le Pérou. Je dis Simon Bolivar, eh bien, c'est le libérateur de l'Amérique du Sud. Troisièmement, nous avons dans la zone d'Afrique colonisée par l'Europe, il y a des hommes considérés comme Nelson Mandela qui a libéré l'Afrique du Sud d'un système politique appelé apartheid, où l'on a établi la différence entre les blancs et les noirs. Et quatrièmement, nous avons Léopold Sédar Senghor qui a participé à la libération du Sénégal. Mais en Haïti, nous avons des noms de certains hommes également considérés comme libérateurs. Par exemple, Toussaint Louverture qui est le précurseur de la révolution de Saint-Domingue. Deuxièmement, nous avons Dessalines, celui qui a défié la plus grande armée européenne, celle de la France. Mais malheureusement, ces hommes se battaient pour briser des chaînes qui déliaient l'homme au niveau de l'armée. Mais ça a été lutté pour libérer l'homme et bien qui était lié au niveau des pieds. Mais moun qui lié dans l'homme, et c'est l'exemple de moi. Alléluia. Avec moun nom yo enchaîné, moun l'esprit yo enchaîné, et c'est Jésus-Christ qui t'a donné la liberté. Et c'est l'église d'Apernema. Je comprends ça, c'est gloire. Alléluia. Amen. Il y a des chaînes qui n'ont pied l'homme, non. Moune qui a retiré. Il y a des chaînes qui n'ont pied l'homme, non. Moune qui a retiré. Mais chaînes qui n'ont l'esprit. Chaînes qui n'ont l'homme. Alléluia. Et seul Jésus. Et c'est l'église d'Apernema. Qui t'a libéré comme ça. Et c'est l'église d'Apernema. Le nom du Seigneur comme grâce. Mes frères et sœurs, le texte nous dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. L'invitation généreuse que Jésus lance s'adresse à tous ceux qui sont fatigués et chargés des problèmes de la vie et des péchés de leur propre nature humaine. Et c'est l'église d'Apernema. Jésus fait invitation ça à deux groupes de monde. Premier groupe de monde, c'est monde, alléluia, qui est chargé avec les problèmes de la vie. Monde, ça, c'est souci qui couvre. Et c'est l'église d'Apernema. Alléluia. C'est chargé, ça, c'est souci. Pas qu'à manger, pas qu'à payer caille, pas qu'à habiller. Et c'est l'exemple de lui. Ce souci, ça va couvrir. Il va comme ça pour le faire. Jésus dit, venez à moi. Et c'est l'exemple de lui. Deuxième groupe de monde, Jésus dit, venez à moi. C'est mon péché couvrir la tête aux pieds. Et c'est l'exemple de lui. Le mot du Seigneur, même grâce. Amen. Jésus dit, repos à soi. Est-ce que vous voyez ça? Mes frères et sœurs, mais appel Jésus fait, je dis ça, c'est un appel général. Je dis qu'il y a deux types d'appels. Il y a appel général, mais il y a appel spécifique. Appel général, il dit venez à moi, vous tous. C'est-à-dire Jésus-Christ, lui parfait acception de personne. C'est l'église d'Apernema. Alléluia. Quel que soit mon ouïe, fini, mais cependant, vous appel spécifique. Appel spécifique, c'est la m'vini dans l'appel général là. La m'vini qu'on y a Jésus, il est comme pasteur, il est comme prophète, il est comme évangéliste, comme docteur. Ça, c'est un appel spécifique. Est-ce que l'église appelle? Est-ce que vous dit gloire? Mes frères et sœurs, m'aimer Jésus, ça fait m'aimer Jésus. Jésus parle de discrimination. C'est l'église d'Apernema. Les Jésus a prié l'homme. Il n'y a pas de qui famille sorti. Il n'y a pas de qui est qui papa. Il n'y a pas de qui mon qui maman. C'est l'église d'Apernema. Mais dit vini. C'est l'église d'Apernema. Ah, est-ce que vous avez dit merci Seigneur pour la parole? Merci Seigneur pour la parole. Alléluia. Quel
niveau d'étude vini. Ou fait sixième année fondamentale vini. Ou pas à l'école même vini. Ou fait philo vini. Est-ce que l'église a ou riche vini. Ou pauvre vini. Ou malheureux vini. Ou bienheureux vini. Il n'y a pas fait exception de personne. Si Jésus tâche gagner mon souffle qui vous dérive, nous pas un prédicateur. Et c'est l'église avec nous. Ou pas servant de Dieu. Ou pas pasteur. Ou pas que tout le monde s'en connaît. Ou c'est l'église avec nous. On dit merci, merci Seigneur pour la parole. Mais frères et sœurs, dans Luc 4, les versets 7 à 19, Jésus a clairement défini sa mission, déclarant ce qui suit. L'Esprit du Seigneur, alléluia, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oué pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Est-ce que l'Église a perdu? Mes frères et sœurs, quand on est emprisonné par le Satan, le diable, seul Jésus peut vous libérer. Est-ce que l'Église a perdu? On nous dit alléluia. En nouvel exemple, le jeune homme qui était possédé de légion. La Bible dit pendant que Jésus-Christ a rentré au jeune homme qui a légion sous lui. Je dis aux légions, les équivaut à 6000 démons. Je dis démons, ça y est, les gens font monsieur dormir dans le sépulcre. C'est-à-dire, lorsque le tombeau qui finit crasé, et puis tout a été vide, démons font monsieur vivre en dedans tout ça. Je dis, lorsque le marin monsieur avec chaîne, monsieur qu'on pète chaîne, monsieur qu'on déchire sous le côté nu, et démons qu'on frappe la roche. De vous faire dans ses filets, même si on m'a la recorde, mais c'est qu'à couper contre Adam. Mais Bible a dit pour pendant Jésus apparaît dans le pays de Gadarénien, de moi soumissier, et puis on est Jésus apparaît. Mais c'est faire pour courir, et puis venir pour se terminer avec Jésus. Alléluia. Il tombe à genoux le pied Jésus. Jésus, pourquoi parler? Alléluia. Mais démon le dit. Alléluia. Pour qu'ils soient venus tourmenter nous là. Parce que l'heure de tourment nous a pour qu'on arrive. Mes frères et sœurs, qui a connu et l'a fait parler. On connaît et l'a fait parler. Amen. Ah, oui, il dit Jésus, pour qu'ils soient venus tourmenter nous là. L'heure de tourment pour qu'on arrive. Est-ce que l'église a même? J'ai appris le côté de l'église. Est-ce que l'église a même? J'ai appris le destiné. Est-ce que l'église a même? Est-ce que l'église a même? Ce qu'on m'a dit, gloire! Mais vous m'avez compris. J'ai dit Jésus comme ça. Jésus pose la question. C'est dit quoi? Qui est-ce qu'il a même? Je dis, nous sommes légion. Je l'identifie. Et puis Jésus va dire bagaille. Pendant que Jésus vient chasser, que mon gars dit Jésus bagaille. Je dis que ça, l'on finit chasse. Ben nous accès pour aller dans des cochons. C'est l'église à parler. Amen. Alléluia. Ben nous accès pour aller dans des cochons. Pendant que les cochons retenent nos poches. Les cochons étaient des blancs. Gon pile de démons qui envahissent. Qui va porter ça? Parce que vous avez donné le diable, ne t'aimez moi. Vous avez pitié précipitamment dans la mer, c'est le gars de pour cochon, alléluia. Parce que donné le diable, ne t'aimez pas. Alléluia. Cochon yo. Altoui tête yo. Passez pour la chrétienne. Dans le Seigneur de Dieu, c'est le visage. Alléluia. Soif liberté. Mais nous, l'homme n'a pas voulu liberté. Dans le Seigneur de Dieu. C'est le visage. Amen.
Alléluia. Alléluia. Seigneur, fais grâce. Alléluia. Alléluia. Deuxième personnage. N'a analysé à travers le sermon ça. C'est la femme samaritaine. Elle était une prostituée. Oh, mes amis. Bible a dit. Femme tellement femme pécheresse. Et tellement sale. Et son samaritaine. Ou qu'on n'est pas guéri pour un juif avec samarité. Jésus tellement comprend ça bien. Jésus prend le fond évangélisation personnelle. Puisque les 12 gros goûts, Jésus dit, monsieur a lâché vivre pour nous manger. Pendant que monsieur a lâché vivre pour nous manger, qu'on a Jésus libre pour le faire évangélisation personnelle. Parce que j'ai des mouns, surtout Pierre, surtout Judas, qui va quitter Jésus par la reine. Et c'est l'église attendue. Et c'est l'église attendue. Depuis Jésus a approché mon plus Jacob là. Alléluia. Pendant que Jésus a approché mon plus Jacob là, Jésus est femme qui a vu une plein. Amen, amen. Jésus est qui a vu une plein. Et puis, il y a un puits qui est Timothy d'accord. Et puis, femme avec Timothy qui a plongé dans les glos. Jésus dit comme ça, bon petit glos pour moi, s'il vous plaît. Il dit Jésus comme ça, pas de rapport entre juif et samaritain. Jésus dit, si vous te connaissez, qui m'a demandé de gloire ou même ou t'a demandé de gloire pour moi. Il dit Jésus comme ça, il dit Jésus comme ça, mais comment ça? Mais pas de bagage, pas de saut so pour la dans le puits pour boire de l'eau. Jésus dit comme ça, moun qui boit de l'eau dans le puits, l'elfine boue la soif encore, mais de l'eau ça m'a pas de là, l'elfine boue là, ou pas de chambre soif encore. Il dit Jésus comme ça, bon de l'eau ça, alléluia. Jésus dit, eh bien, allez, alléluia. Lili Jésus comme ça, pas de mari. Jésus qui reçoit. Ou bien fait tout pas de mari. Ou passé 5 maris déjà. Mais 6e zat dans mon lan, c'est monsieur marié lié. Et pas pour lié. Faudra dire oui. Alléluia. Même chenou moun qui dit tout ça me fait. Et c'est l'église allemand. Il passe 5 maris déjà. Il passe son premier. Premier à dire comme ça. La preuve de passeport pour lui. Pour le faire dans le Saint-Domingue. Et c'est l'église. Il couche parce qu'on va en fête. Il passe au deuxième. Deuxième, il pose à la paix. Caille pour lui. Pour le demain, Timounio. Il couche là. Caille pas payé. Il passe au troisième. Alléluia. Il dit comme ça, oui. La paix moyenne pour lui pour l'Al-Miami. Il joue là. Il va jamais à Miami. Il passe au quatrième. Il dit comme ça, oui. La paix l'école pour Timounio. Il couche là. L'école va jamais payer. Il passe au cinquième. Il dit comme ça, eh bien, la médecine. Téléphone chaque jour, les couches, car téléphone pas jamais acheté, mais pour 6e, son monsieur marié n'est pas pour lui. Jésus dit son 7e. Alléluia. Jésus dit son 7e. Alléluia. M'vini. Alléluia. Pour me libérer. Alléluia. Fardeau ça au sud là. Fardeau prostitution ça. La sortie. Qu'est-ce que vous attendez? Alléluia. Vive la liberté. Alléluia. Mes frères et sœurs, à travers ce sermon, nous allons voir 6 manières pour se libérer de manière totale et réelle. 6 manières. Mais là, premièrement, pour nous libérer de manière totale et réelle, il faut briser les forteresses mentales. Il faut briser les forteresses mentales. Et c'est exactement. Des fois, chaque fois qu'on veut avancer, dans un domaine quelconque, mental ou dit ou pas capable. C'est l'église à l'avenir. Alléluia. Chaque fois que vous prenez une décision pour faire quelque chose qui est bon pour vous, nous avons toujours un sentiment de est-ce que je suis capable? Pourquoi je suis capable? Je ne suis pas capable. Vous avez besoin de libérer. Les causes sont loin déjà. Et c'est l'église à l'avenir. Et c'est l'église à l'avenir. Mes frères et sœurs, nous sommes le peuple d'Israël. Lorsque ils arrivaient dans la position pour entrer Canaan, et puis ils voyaient des espions aller explorer Canaan. Après qu'ils viennent faire l'exploration, ils viennent contre Moïse. Ils disent Moïse comme ça, allez nous garder les Cananéens, allez nous garder les vieux, allez nous garder toute nation qui occupe cet espace-là, sortis fumis, nous y devant eux. Nous ne pouvons pas prendre la terre. Et c'est l'exemple de nous. Nous avons entré dans la terre promise.
tout ça ou dans la bouche ou qu'on pas faire, on va bien faire. L'homme est ce qu'il pense. Et c'est l'église même. Son pensée, c'est son yé. Et c'est l'église même. Sous quoi petit ou petit vrai. Sous quoi grand, grand vrai. Et c'est l'église même. Lorsque on dit taille au petit en tant que peuple de Dieu, c'est pour Dieu même le minimiser. Et c'est l'église même. Et c'est l'église même. Des fois, c'est vous bloquer, t'es tout, ils ne pas comprendre. Ou qui ont étroitesse d'esprit. Ou qui ont fermeture d'esprit. Ou pas jamais t'as recevoir vos bagailles. Mental ou pas prêt pour le recevoir. Et c'est l'église à même. Alléluia. Ou toujours demander pour que si bagaille. Mais pour quelqu'un plan, vos bagailles pour. Et ça ne va pas jamais garder une petite bagaille. Et c'est l'église à même. Est-ce que l'église a l'aime? Les mots disent Seigneur, fais-moi grâce. Ou trop mesquin, ou besoin de liberté, à soi. Alléluia. Qui bagaille, même si beaucoup possédez, moi je grand dans l'esprit. Est-ce que l'église a l'aime? L'homme est ce qu'il pense. L'homme pense grand ou grand, mais l'homme pense petit ou petit. Est-ce que l'église a l'aime? Les mots disent Seigneur, libérez-moi. Maintenant, deuxième manière pour un chrétien libéré de manière total et réel, ou besoin de chasser les démons ancestraux, démons ancestrales, ou besoin de chasser. Il y a des bagailles, maman et papa, t'es qu'on fait, et puis ils suivent. Ça, c'est exactement. Diable, viens messe maman, viens messe grand-papa ou grand-tonton, et puis ils prennent, ils mettent une stratégie avec eux, et ils font faire des fêtes. Et c'est exactement. Nous songez. Abraham bail menti pour qu'elle mange en Égypte. Même mensonge ça poursuit Israël. Israël bail même menti. Les Israël fin bail même mensonge là. Esprit mensonge là poursuit Jacob. Alléluia. Les bon Dieu ouais, qu'on l'esprit de mensonge. Qui voulait finir aligner ça. Alléluia. L'ange de l'Éternel descend. La loi c'est Jacob nos jardins. Lorsque je dis, l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est une figure de Jésus-Christ. Et c'est également. C'est la Christophanie. C'est la Christophanie. C'est l'omniprésence même. Et puis Jacob battait la veille là. Puisque Jacob, esprit de mensonge là, fait le mesdames, fait le supplanteur. Et puis ça m'a dit, qui j'en voulais? Vous avez dit mouler Jacob. Vous avez dit, bien, à partir d'aujourd'hui, vous parlez de Jacob encore. Vous voulez Israël. Et c'est l'église à même. Amen. Bon, tout bagaille. Toute rencontre avec Dieu déclenche une transformation. Et c'est l'église à même. L'homme contre Jésus méchant. L'homme qui contre avec un sorti pour nous. Et c'est l'église à même. Aïe, l'homme contre Jésus passe différent de présent. Et c'est l'église à même. On va comprendre, L'homme contre Jésus, alléluia. Contre transformation faite, passe différent de présent. Alléluia. Confère maintenant les métamorphoses. Et c'est l'église à même. Amen, amen, amen. Je dis, alléluia. Il y a un papillon. Il va faire tout papillon, son chenille transformé, il va être papillon, il métamorphosé, il change forme, il change état. Et bien, de Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout rapport avec Dieu déclenche une transformation. Est-ce que l'Église a l'aime? Est-ce que l'Église a l'aime? Ce commandant a dit gloire. Maintenant, troisième manière, pour que vous chrétien libéré de manière totale et réelle, pour toute charge liée, sauter sous doule, il faut avouer les péchés non confessés. Et c'est l'église à même. Il faut avouer les péchés non confessés. Mes frères et sœurs, l'on pas voulu avouer le péché ou. Là où pas de dévoiler péché ou. Bon Dieu, ouais, ou comme un hypocrite. Et c'est l'église à même. Ou pas réel. Dans Somme 35, excusez-moi, dans Somme 32, verset 5, David dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit,
j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Est-ce que l'Église a avec moi? Sous mon péché, on va serrer ou pour qu'on libère. C'est le bizarre. De vous comprendre qu'on fait cachette. De vous comprendre qu'à chaque fois on fait le qu'on va casser, on va vous libérer. C'est le bizarre. C'est le bizarre. Vraiment, amen, le bizarre. Oh, alléluia. Mes frères et sœurs, je souche tout le monde prend Judas pour chrétien. Tout le monde prend Judas pour disciple. Mais là, Jésus garde Judas. Jésus est le premier de nous. Et c'est l'église Adam. Alléluia. L'homme hypocrite, ou pas différent de Lougaou. Yes. Et c'est l'église Adam. L'homme hypocrite, ou pas Lougaou, même bagaille. Et c'est l'église Adam. Alléluia. Et c'est hypocrite, sont dangereux pour l'église là. Amen. Et c'est l'église Adam. Lève-moi du Seigneur de grâce. Amen. Ou besoin avouer les péchés non confessés pour capable libérer de manière totale et réelle. Mais la quatrième manière le monde capable, eh bien, à libérer de manière totale et réelle, eh bien, il faut penser les blessures intérieures. Il faut penser les blessures intérieures, c'est-à-dire pardonner aux hommes leurs offenses. Et c'est l'Église Adam. C'est-à-dire pardonner aux hommes leurs offenses. C'est pour ta liberté. C'est l'exemple. Celui qui ne pardonne pas est un esclave. Dans Matthieu 6, le verset 14, la Bible dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est l'exemple. Qui chrétien dit comme ça, tout un 10 000 livres terre. Pas tomber sur le stomac, les papas de les soeurs tel, les papas de les frères tel, frère ou papa de les loups à l'enfer du roi. Amen. Mes frères et sœurs, c'est moun qui grand pardonner. Et c'est l'église Amen. C'est moun qui grand qui pardonner. Pardonner quelqu'un, c'est un acte de grandeur d'âme. Amen. L'église, vous voulez l'évangile, vous amène l'église. Amen. Pardonner quelqu'un, c'est un acte de grandeur d'âme. C'est mon qui grand pardonne nous. Amen. Alléluia. Je me souviens, il raconte l'illustration de ça. Il y a une dame qui habitait aux États-Unis d'Amérique, qui était des problèmes cardiaques, des malades au niveau cœur. Et puis, dame ça, il passait quand pile médecin, il n'y a pas jamais une solution avec cœur. Et puis, quand le là, il est tombé sur un médecin chrétien. Il raconte un médecin chrétien qui va le médecin où est déjà avec problème cœur ça. Médecin dit, mais si vous passez la caille tout médecin ça, ou pas jamais une solution avec cœur. Il y a une question à poser. Est-ce qu'on connaît des gens sous cœur? Je dis comme ça. Rancune sont maladies spirituelles, mais qui capable de maladie physique. C'est-à-dire que quand il y a un cœur, un siège pensé, un siège réflexion, quand il y a un cœur, et puis il y a un débouché sur une maladie cardiaque ou malade dans le cœur, que tu as propulsé ça à travers tout le corps ou une malade là-dedans. Mais le Seigneur dit, est-ce qu'on compte qu'il y a un cœur? Est-ce que son femme qui a pu hier? Il dit certainement que je ne vais pas saluer en chemin. Je ne vais pas bien avec vous. Et le médecin dit, mais ce qu'on va faire, on va jouer à tout le monde qui a des problèmes. Tout le monde qui a des sous-cœurs. À le pardonner. Immédiatement, Jésus a fait grâce. Cœur a guéri. C'est ce que vous attendez. Amen. Dans le marché. Dans plusieurs États aux États-Unis, la marche moi de mon pardon jusqu'à ce que Jésus libère le cœur à guéri. Et c'est l'église avec nous. Mais frères et sœurs, qui monde, si vous ne jouez pas avec vous, vous ne libérez pas. Qui monde a vos yeux fermés avant de mourir, avant de partir à l'étranger, vous pouvez se croiser avec elle pour demander le pardon, sinon pas pour vous. Et c'est l'église avec nous. Moi, frère, la suivre, moi, amène l'église avec nous. Cinquième manière pour le monde à libérer
de manière totale et réelle. Il brise, eh bien, il a besoin de briser les liens d'âme. Il faut briser les liens d'âme. Dans 1 Corinthiens 6, le verset 16, la Bible dit, loin de là, ne savez-vous pas que la tâche à la prostituée est de seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Des gens qui n'en vivent, des gens qui ont couché avec elle, tout diable qui était sous mon ça, tout pénétré ou fait le seul avec lui. C'est l'église Adam. Qu'on transfère qui fait coucher avec le monde, c'est pour un bagage qui simple. C'est l'église Adam. C'est l'église Adam. Et ça fait l'homme à aux femmes chrétiennes, en tant que chrétienne, le monde qui sanctifie, là nous couchons ensemble, qu'on plénitude d'esprit, n'a attiré le Saint-Esprit. Mais elle couchait avant le mariage, il a tiré le mot. Pas de dire amen, la forme. Mon père dit amen, mon gars, il faut dire amen. Après les témoignages, je me barre. Avant de me marier, dans la vie, je me couchais 7 femmes. Moi, je pense que quand je suis converti, je me marie avec madame, tout le combat me finit, le combat me finit. Parce que toutes les montées sous femmes, entre sous moi. Je prêche l'évangile, je suis à l'aise, je me sens bien, je vis bien avec madame, si mon nom a joué, etc. Mais il y a des mots qui sont dans la vie, jeune fille qui est dans la vie toujours. Et puis, une soirée, je dormis. Moi, je fais une route. Et puis, je vois que je me fourre même dans la poche chemise. Je me fourre même. Je me fourre même. L'un gars qui s'est monté, il y a un petit poule noir. Petit poule noir, ça, moi, je suis tête qui design, même j'ai monsieur coq qualité, qu'on design, tête coq, yo. Le balbat coq. Et puis, voir, dis comme ça, imposer petit poule là, les mains. L'un imposer petit poule noir, les mains. Moi, je suis devenu une prostituée, je suis couché. Vous pouvez pas manger un gars là, vous avez qui te couche femme, vous avez joué. Le président a prêché qu'on est lancé après ses sous-chers, et blague à ben sous-chers, et ben il va me plaire à petit, que chacun va entrer sous tout le monde. Les réponses de petit poule noir, les mains, il est devenu en une femme prostituée que nous te couchons. Et dis-moi, la terre ouvre quand je lis, moi descends dans sa mavelle. Et puis, voix dit, me tuer. Et puis, me prend cool, me pèse jusqu'à ce qu'il tout fait. Après ça, terre a ouvert gorge, lui. Moi, monté sur la surface de la terre, moi, libéré. Ça, c'est l'église Adam. Amen. C'est l'église Adam. Amen. On dit merci, Seigneur, pour l'évangile. Merci, Seigneur, pour l'évangile. Guémon nous prend pour les amis. De mon fait fête. Des mounes, les diables ont montré la caille, diables célébrés. Alléluia. Des mounes, la ville sont à l'aéroport. Tout un vieux démon qui me sourit et dans la vie, mon zèle descend. Et pour vous-même, vous avez vos amis. Alléluia. Les démons de Jésus, fais grâce. Depuis, vous attachez avec lui. Attaché avec tout. Les mauvaises compagnies corrompent les bonheurs. Alléluia. Mais songeons-le à mon fils ami avec Jonadab. Alléluia. Alléluia. À mon dit Jonadab. Mon verdisseur, il est tabac. Je vais me coucher. Même pas comme ça, mon fait. Alléluia. Je l'ai dit, mais ça fait. Malgré papa ou accès pour mademoiselle, lui fait service dans la chambre. Et puis propose au malade. Et puis pour la bonne service. Et puis dans l'occasion, ça va tout coucher. C'est l'exemple de nous. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est l'exemple de nous. Je me souviens, Salomon.
Yon homme avant le pas de qui s'agit facile. Après le pas de qui s'agit facile sur la terre. L'homme ça, là la tâche à 700 princesses plus 300 concubines. Et 300 concubines. Libère monsieur 1000 femmes ça yo changer le cœur de Salomon. Là le construit au temple d'idole en face du temple éternel là. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et c'est l'église Amen. Pour libérer de manière totale et réelle, vous besoin de briser les liens d'âme. Et c'est l'église Amen. Que mon tout à l'envie ou tout à l'ami ou va faire bêtise. Et l'esprit qui a dit qu'on est là, qui est sans doute de craser dans l'église là. Qui vous dit sans doute de séparer la veille. Et Jésus dit qu'on est là, qui est relation de craser. Qui vous dit dans l'envie, qui vous dit rêver la veille, qui vous dit attache à la veille, qui vous dit même fier à la veille. Relation de femme, il doit disparaître parce qu'elle a mené loin, mon Dieu. C'est l'église là. Amen. Ma vie de gauche, je n'ai pas de voir, gros bagaille, mais ma fille, ça, mon Dieu, dit midi. Et c'est l'église à Adem. Et c'est l'église à Adem. La sixième et dernière manière pour que les chrétiens libérés de manière totale et réelle, eh bien, il faut éliminer les objets dévoués par interdit. Il faut éliminer les objets dévoués par interdit. Or, dans chaque cadre, le verset 4, la Bible dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Le monde ici, ce n'est pas un nombre d'habitants, ce n'est pas un groupe de monde, mais c'est un système. C'est l'exemple de l'homme. Amen. C'est l'exemple de l'homme. Amen. Là où c'est chrétien, tout style de rat qui paraît, il va casser sous moi. Amen. Amen, le plus tard. Amen. Alléluia. Là où c'est chrétien, il y a un style de rat qui vivait, il va casser sous moi. Mon Dieu, regarde l'Afrique, le magique, il dit, je vais vous en faire. Amen. On appelle vert là-dedans, qui ça vous fait? Où grand est-elle? Ma soulage est-elle? Mon bon est-elle? Qui ça vous fait? Mais toujours simple, comme Colombe. Et c'est l'église à Adam. Amen. Et c'est l'église à Adam. Amen. Alléluia. Qui est titi? Qui va te voir soit moi la caille moi? Qui est image? Qui va te voir sous quoi la caille moi? Et c'est l'église à Adam. Amen. Qui vous croyez le monde la caillou? Ou son ennemi pour mon Dieu? Et c'est l'église à Adam. Amen. Ah, je vais raconter une illustration ça. Il y a une dame cubaine, une femme. Yon qui baigne. Femme ça a été prospéré en pile. Il était en pile bien. En gros, je l'ai passé au côté Cuba. Et puis, il y a une petite statue à vendre. Yon monsieur qui a un petit bois à la main. En style de cuit. Qui baisse tout. Comme ça. Après, il a demandé. Et comme ça, l'image l'a faite. Mais l'image est tellement belle. Dame acheté. En bien, tu vas avec la Kali, il y a un homme qui semble avoir cuit dans la mer, qui a demandé, dame, achetez-le, mettez la Kali. Je dis, dame, tu es riche, dame, tu as pile fortune. Mais depuis lorsque vous achetez l'image ça avec la Kali, il y a un esprit de pauvreté qui tombe dans la Kali, un esprit de mendicité qui tombe dans la vie. Là, il y a un ministère, et puis un homme de Dieu pour utiliser. Bon Dieu dit comme ça, il a besoin de briller en pile parce que la caille est un corps étranché. Et ça fait descendre dans le niveau de descendre. Et pendant que la caille est là, il déclenche une prière. Et puis, un petit idole ça l'a acheté. Et bien, il a explosé, il a crassé. Et c'est l'église à l'aime. Amen. Qui mon là, Jésus a dû inspecter la caille. Alléluia. Au gros jeune fille là, Jésus a dû inspecter le téléphone. Il y a des messages qui passent sur le téléphone, ou pour vous marier, ou pour vous parler comme ça. Alors, le message, inspectez le message. Il y a des gens qui ont dit inspectez le pendule. Il y a des gens qui passent sur le téléphone. Est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez? Mes frères et sœurs, pour me terminer, en venant à Jésus,
en devenant son serviteur, à lui obéissant, vous serez libéré de vos fardeaux insurmontables. Et il vous donnera le repos, la paix et son Saint-Esprit pour vous guider tout au long de votre vie. Avec son aide et sa grâce, vous pourrez supporter les épreuves et les soucis qui vous accablent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.